Oui, on pourrait être surpris car cette fête des géraniums, il y est un stand réservé à une association de Piligny, les Rires d'Iliès et Adam. Et avec nous, Sandrine, qui est la présidente, je crois, de cette association, qui va nous expliquer pourquoi elle est présente aujourd'hui et pendant 3 jours à la fête des géraniums. Alors, présente aujourd'hui et pendant 3 jours déjà, parce qu'on est à Piligny, on est basé à Piligny. Ça fait 12 ans que je suis installée à Piligny. Donc, mes enfants sont nés à Piligny. Et voilà, pour sensibiliser les gens aux troubles autistiques qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi tout ce qui est des troubles 10 également, les dysgraphies, dyscalculie, dysorthographie, et également tout ce qui est les TDAH, où il y en a de plus en plus, sont les troubles de l'apprentissage et de l'attention également. Mais vous ne faites pas que attirer l'attention du passant, du visiteur sur l'autisme, mais aussi vous vendez du produit. Tout à fait. C'est ça, c'est on la plus importante. On vend des bijoux qui sont fabriqués par nous-mêmes, des confitures également avec des produits originaux, enfin avec des goûts surtout originaux, ananas kiwi, voilà, on a de la fraise gariguette anis, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment des goûts très originaux. Tout est vendu au profit de l'association et avec ça nous permet de payer des bilans, parce que les bilans coûtent très cher, un bilan TDAH ou un bilan tout ce qui est... Comment ça s'appelle ? Diagnostic en réalité. On est beaucoup obligé de passer dans le privé actuellement à cause des délais qui sont donc, y a très pas longs. Il n'y a pas d'aide. Un bilan, c'est 350€ à payer. Donc c'est hors budget pour beaucoup de familles. Donc heureusement qu'on vit grâce aux achats et grâce aux dons également. Dites-moi, Piligny, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de cette maladie. Hein. Il y en a certains, oui. Moi, à ma connaissance, j'en ai 5 déjà. 5. Donc 5 en plus de mes deux fils. Bien sûr. Donc et on en a de plus en plus, puisque nous maintenant au niveau de l'association on en a sur Amiens, mais jusqu'à Marcel Cave également. Donc on a aussi des jeunes adultes et des moins jeunes, puisqu'on en a une qui a 55 ans, donc voilà, qu'on aide dans les démarches. Tout ce qui est les dossiers MDPH, tout ça, puisque maintenant moi je siège à la CDAPH. Donc on travaille beaucoup également avec le conseil départemental, on fait beaucoup de réunions pour voir comment améliorer les choses, les problèmes, les dysfonctionnements, les fonctionnements aussi, les choses à améliorer. Avec M. Ousselier, on travaille beaucoup. Et puis donc à la MDPH, maintenant, on a aussi des permanences pour enseigner les familles. Et puis, les permanences à Piligny, hein. Pour l'instant, je n'ai pas de permanence, voilà, je vois avec le maire. S'il y a des demandes, moi, il n'y a pas de souci. Je veux bien remplir les dossiers MDPH, il n'y a aucun problème. Donc, monsieur le maire a mes coordonnées téléphoniques, il n'y a pas de problème. Moi, je peux aller à la mairie expliquer justement les pièces à fournir, comment remplir les dossiers, parce que c'est très complexe. Ce qu'on fait beaucoup avec la MDPH. Et au-delà des commissions, parce que moi je siège en commission les mercredis, donc au-delà des commissions, justement. Vous parlez des 5 personnes de Piligny qui seraient touchées. Ce sont des jeunes, des enfants qui vont à l'école ou des adultes, non ? Des enfants. Alors, on en a qui ne vont pas à l'école. Hein. Ah bon ? On en a qui ne vont plus à l'école, qui ne sont plus à l'école, mais on en a pourquoi qui sont à l'école. C'est les parents qui ne veulent plus, hein. C'est les parents, le système malheureusement n'est pas adapté. Donc c'est beaucoup. Il y a de plus en plus d'enseignements en distanciel avec la partie CNED handicap justement, parce que moi les deux miens en font partie. Où là c'est vraiment adapté à leur niveau, les professeurs sont vraiment à l'écoute et sont vraiment adaptés à leur niveau et font en fonction de leur capacité. Si on a bien compris, d'être bénévole dans cette association, mais vous êtes la maman aussi de 2 enfants touchés. Oui. Et vous avez du courage. Merci beaucoup.